Bonjour à tous, moi je suis Nicolas, je bosse chez BAM depuis maintenant 1 an et demi. BAM, qu'est-ce qu'on fait? On révolutionne le monde des applis mobiles et on cherche à résoudre les problèmes de nos clients en développement des applis mobiles. Ce soir, je suis venu vous parler de l'expérience utilisateur et je vais commencer par vous raconter une petite histoire. C'était dans une grande banque, la Société Générale, pour ceux qui connaissent. Voilà. On développait un store d'applications web et mobile. Voilà, ça faisait 6 mois qu'on bossait sur le projet. On a mis un peu de temps à le mettre en prod, parce qu'à la Société Générale, c'est toujours un peu plus long de mettre les applications en prod. Et voilà le rendu. Donc, après 6 mois de travail, c'est quand même un peu dommage. Et mon objectif ce soir, c'est de vous partager un peu les tips que j'ai appris pour faire que notre utilisateur, à la fin, il soit content et qu'il ne mette pas 20 secondes à charger l'application. Un premier tips, c'est de faire de la picture optimization. C'est quelque chose auquel on pense très peu. Je connais beaucoup de projets sur lesquels on ne compresse pas nos images. Et ça fait gagner énormément de temps de chargement. Et surtout, en termes d'expérience utilisateur, on voit souvent des pages web cassées parce qu'il y a une image qui n'est pas chargée. Donc on a l'impression que le design est cassé, alors qu'en fait, c'est juste que l'image n'est pas chargée. Donc ça, il y a un outil très simple qui s'appelle tiny.jpg et qui permet de compresser vos images. Donc il faut former les utilisateurs de vos admins, enfin côté admin, à utiliser cet outil. Et c'est très simple et ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps de chargement. Voilà. Un autre tips, c'est le browser cache. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation sur le browser cache, mais avec Nginx, avec 4 lignes de code, de config, on arrive à cacher déjà tous les fichiers statiques, tous les fichiers, donc CSS, JS, tous les fichiers de traduction, et puis également toutes les images. Et ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps aussi, de chargement. Bon, maintenant, on va. Maintenant qu'on a réduit le temps de chargement, maintenant on va essayer d'améliorer l'affichage et l'expérience utilisateur. Donc déjà, on va prendre exemple sur les géants du web. On peut regarder Slack. Slack, quand l'application se charge, voilà ce que vous retrouvez. Et c'est finalement pas si dur que ça à faire. Vous utilisez pleasewait.js, donc c'est une lib disponible sur le web. Vous écrivez un peu de code dans le main.html, un peu de code dans le main.js, et ça donne ça. Après, vous faites tourner un petit script qui vous permet de charger des textes différents et de manière aléatoire, et voilà, le tour est joué. Un autre tips assez intéressant. C'est le fait d'ordonner les composants et de charger vos composants ou vos directives en fonction du framework front que vous utilisez, de charger vos composants ou vos directives dans un certain ordre et de commencer à les charger dès qu'on a reçu la donnée. Et de ne pas attendre que toute la page soit chargée pour charger la donnée. Là, si je prends un exemple d'Angular 1.5, même si ça date un peu, désolé. Là, je ne sais pas si c'est très lisible, je ne pense pas. Ok. Bon, je vais vous le décrire. C'est dans le routes.js, donc on a un resolve. Et ce resolve, en fait, dans Angular, Angular attend que toutes les routes resolve soient résolues pour charger la page. Et donc, ça, c'est ce qu'il y avait avant dans l'application. Et donc, nous, voilà ce que ça donnait. Donc, on attendait que pendant 10 secondes, et 10 secondes après, on avait tout qui était chargé. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a toute la partie chargement, on l'a transférée dans le contrôleur. On a fait en sorte que les promesses de chaîner les promesses sur le chargement du bac, enfin des objets de l'API, et ce qui permet de donner une seconde après, en fait, l'utilisateur, il voit déjà le header. Ensuite, il voit les images. Ensuite, il voit le premier la première série d'applications, la deuxième série, et ainsi de suite. Et même, il ne voit pas que ça continue à charger en dessous. Mais en fait, effectivement, ça continue à charger en dessous parce qu'il y a
trois ou quatre éléments pareils. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut appliquer très simplement dans nos applications et ça fait gagner énormément en expérience utilisateur. Et le dernier tip que j'allais vous partager ce soir, c'est d'utiliser des preloaded templates. C'est quelque chose que font beaucoup les pareil, Facebook, LinkedIn viennent de s'y mettre. Donc si on regarde sur Facebook, quand vous ouvrez une page Facebook, vous avez la page se charge directement et là on a l'impression que on a du contenu, même si le contenu n'est pas vraiment arrivé. Et on voit déjà les notifs qui sont affichés. LinkedIn, ils s'y sont mis, il y a un mois, voire 15 jours. Ça vient tout juste de changer. Donc on peut constater qu'ils ont fait exactement la même chose, c'est-à-dire des preloaded templates. Et donc ça, c'est assez simple à mettre en place. Et surtout, ça permet que votre utilisateur, à la fin, il est content. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tu as mis en place dans ton application les preloaded templates et est-ce que tu as eu un feedback des utilisateurs là-dessus ? Alors non, je l'ai pas mis en place. En fait, je voulais le faire, pour tout vous dire, je voulais le faire aujourd'hui dans une application mobile, donc sur du React Native. Et j'ai pas eu le temps, mais je vous partagerai dès que je l'aurai fait. Mon objectif, c'est de le faire avant la fin de semaine. Et voilà. La difficulté réside dans le fait, attendez, je vais vous montrer le slide. Afficher ces éléments-là, c'est assez simple à faire. La difficulté, c'est qu'ils font une animation qui permet de... Enfin, il y a une animation, en fait, on a l'impression que ça load. Et c'est ça qui est difficile à faire. Et donc, ça va être un peu le challenge. Voilà. Tu disais qu'une image qui n'est pas chargée, ça peut casser complètement une mise en page. Et tu proposes aussi de demander à tes admins de faire de la compression d'image un peu automatiquement lors des déploiements. Est-ce que ça t'est pas arrivé quand tu laisses le script d'optimisation des images dans la main de tes admins qui compressent trop, que les images deviennent pâteuses et complètement dégueulasses et qu'après, tu as tous tes designers qui se plaignent derrière? Comment est-ce que tu gères? Qui gère le ratio de compression d'image à ce moment-là? Pour l'instant, j'ai utilisé que l'outil que j'ai présenté là et qui permet d'avoir des images qui sont tout à fait correctes. J'ai jamais eu de problème pour l'instant, mais pour l'instant, peut-être un jour. Tu utilisais, j'ai vu Angular 1.5 et pour du développement mobile, enfin tu utilisais Ionic, juste par curiosité. React Native, ouais. Ah, d'accord, ok. Tu aurais un site qui pourrait nous aider à nous donner toutes les bonnes pratiques de web performance? Let's do it. Darboost par exemple, c'est pas mal. D'accord, ok. Darboost. Je sais pas quoi, Darboost. Il y a aussi Google qui a sorti un outil qui s'appelle Lighthouse, lighthouse.io je crois, ou quelque chose comme ça, qui donne énormément de bonnes practices sur les performances, notamment le cache pour l'offline et des trucs comme ça.